Eh bien, salut à tous, on est parti pour une vidéo sur Solvelling. Arise, on va faire des invocations sur tout. Il y a eu très peu de vidéos et j'ai très peu avancé, simplement, comme vous voyez, ça a changé derrière. Il y a eu le déménagement et tout. Donc, j'ai eu très peu de temps pour jouer, tout simplement. Donc, on va faire les invocations aujourd'hui. Il y a eu un nouveau personnage qui est arrivé. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires où vous en êtes de votre côté. Donc là, on a la chasseuse modèle Glamour. Yu Suyin. Je sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce ce nom. Bref, on va commencer par les invocations ici. On a également les personnages. Donc ça c'est bien sur ce jeu. Les vieux personnages des bannières arrivent. Donc là on a Alice. Alicia qui est là. Donc ça c'est cool. Je vais laisser ces armes-là obtenir. Il y a le nouvel arc également là. Donc on peut le récupérer aussi. Donc je vais mettre ça. Je vais lancer comme ça. J'ai 45 invoques. Hop, on est parti. Je suis proche de la Soft Pity. Donc le SSR devrait arriver. Yes, il arrive. C'est parti. Premier SSR de la vidéo. Très bien, il arrive à la fin. Est-ce que ça va être sur ceux que j'ai listé ou est-ce que ça va être un autre? Oh. Hors des 4 que j'ai gardé. C'est un personnage. Si oui, d'accord. Ok, je me reconnaissais pas sa voix. Pas eu assez de son. Ok, chaque est là. Très bien, donc je vais pouvoir l'améliorer. Et j'ai ce nouveau personnage là, que Anna, que j'avais pas eu. Très bien. Parfait. Du coup, une petite chat en plus. Ça, c'est parfait. On continue. Ah, c'est bien parce que du coup vu qu'il vous faut au moins 10 exemplaires pour être maxé. Bon au moins comme ça vu qu'ils sont dans les ECCR. Allez direct. Direct à la deuxième invocation. Le SSR qui arrive. Ok c'est la faux. Ah non c'est... Ah, non d'accord. Fleur de prunier je l'ai pas reconnu. Je l'ai pas reconnu avec le... La tranche, très bien, bah c'est pas mal, je vais pouvoir l'améliorer. Donc là c'était en dehors de mon pool. On y est parti. Et après on va passer sur les invocations limitées. Qui ne sont pas vraiment limitées. Enfin. Encore. Oh la vache, troisième SSR. J'ai pas joué au jeu depuis. Depuis quelques temps, le jeu il m'aime. Il dirait ça avec moi. Ok, 3 SSR. Et ben dis donc, ça pleut. Et c'est Alicia. Ok, elle est dans mon pool. Très bien. Mes deux persos que j'avais ciblés. Très très bien, ça c'est parfait. Chat et Alicia que je vais pouvoir monter d'une étoile. C'est parfait. Allez. Invocation, mes 40. Il m'en reste plus que 5. Avant de passer sur la bannière du moment. Ok, bon, on va pas. C'est normal qu'on ait pas de SSR. De SSR. Sur les 40 invocations, on en a eu quand même 3. Hein, donc, on est plutôt bien. Hop. Rien. On va faire les 5 comme ça, là, pour le spectacle. On sait jamais. Hein. Il y a peut-être un qui était un petit peu timide. Ok. SR.
Tac. Encore deux, si je dis pas de bêtises. Et encore un. Ok. Passons maintenant à la nouvelle bannière. Notre nouvelle bannière qui est ici. On va prendre quelques tickets également. Hein. On va se rendre déjà les 10 pour la première multi. On est parti. Je suis à 20 sur 80 de la pity. Là, je passe à 30 sur 80. On n'est pas dans la soft. On en est encore loin. Après, j'ai pas regardé la mise à jour, ce qu'elle rapportait. Il faut que je me repenche un peu plus dessus. Ça sera sûrement pour les prochaines vidéos, j'imagine. Est-ce que je peux dire quoi? Je peux dire faire ça. J'ai pas mal de ressources. Donc, on peut aller chercher le perso. Enfin, si bien rapidement. S'il vient pas rapidement, ça sert à rien et autant attendre qu'il arrive dans les invocations standard. Surtout que c'est pas un perso que j'ai beaucoup d'affinité par rapport au manga. Enfin au manoir plutôt. Du coup, c'est pas un perso qui m'a marqué. Je sais même plus dans quel, à quel moment on le voit, personnage là, honnêtement. Ok, on est à combien? On est à 50, donc on va arriver à... Si, on la voit, mais je m'en rappelle plus vraiment dans quelles circonstances. Je ne sais plus. C'est pas grave, on est parti. Elle n'a pas marqué en tout cas. Ah, ça brille un petit peu. Est-ce qu'il y en a un qui va s'en sortir? Il n'y a pas eu d'erreur, donc on n'est pas sûr. Non, pas du tout. C'est juste le SSR. Donc là, on va rentrer dans la soft pity dans 5 invocations. Donc il y a des chances qu'elle arrive sur cette invocation-là. Enfin, que le SSR arrive sur cette invocation-là. Ça a pas l'air. Ça peut se transformer. On a vu plusieurs exemples de transformation. Yes! C'est parti. Est-ce que ça va être le perso de la bannière directe? Ça serait pas mal, comme ça on garde un peu de ressources pour les prochaines. Là je suis à la moitié. La prochaine, c'est ça? C'est. C'est elle, il me semble. Il me semble que c'est elle. Yes! Et ben voilà! Voilà, pour l'instant j'ai fait des sans faute. Ah si, non, la première j'ai pas fait j'ai pas tombé le perso tout de suite. Ton chat, j'ai eu un peu plus de mal. Mais c'est une magicienne qui a du coup un flingue. Pourquoi pas. C'est parfait. Elle est de type feu. De type feu donc. Ce qui va être utile sur certains boss. Et surtout, alors du coup. Lui, on s'en sert pas trop. Bah lui, forcément pas utile. Sur qui tu vas être utile, toi? Ah, là, ça peut être intéressant de faire un mix. Mais c'est surtout lui qui va... C'est surtout ces uns qui vont faire quelque chose. Alors là, il y a deux nouveaux trucs aussi. Mise à jour qui est prévue pour deux nouveaux contenus, là. Ici, j'ai pas encore atelier de lumière brillante et tout ça, j'ai pas encore débloqué. Faut que j'avance. Il faut que je me concentre sur les. Sur l'histoire et tout, sur ma progression. Chose qui est pas encore fait. Alors, il y a un nouveau truc de défi également ici. On peut obtenir des récompenses et tout. Bon, bah, va falloir que j'avance hein, et que je me remette un petit peu dans le bain parce que pour l'instant, c'est pas le cas. On va aller améliorer nos persos. Donc là, je peux la passer 2 étoiles, très bien. Alicia Blanche,
Très bien, elle passe en 2 étoiles. Hop, je suis niveau 61 aussi, donc ça n'a pas beaucoup à avancer. Ça a très très peu avancé. Pour vous dire que j'ai pas eu le temps de beaucoup jouer. Mais je vais essayer de revenir. Après, le jeu me plaît, mais c'est pas du coup, c'est pas non plus transcendant comme quand j'étais sur Epic Seven, FFBE ou même Genshin. Après Genshin, c'est plus open world, donc c'est plus, il y a un gameplay différent, on va dire. Mais ouais, faut que j'avance. Après, peut-être que je sais pas s'il y a d'autres jeux qui sont censés sortir de gacha. À voir, peut-être qu'il y en aura d'autres qui me hyperont plus. Mais pour le moment, voilà, il est sympa, il se laisse jouer. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je vais essayer d'un petit peu remonter au niveau de l'histoire et tout. Et puis on se retrouvera dans une future vidéo. Hein. Voilà, j'ai plus de pognon. J'ai eu aussi à monter. Mais voilà. On a eu le perso, on a fait les invocations. N'hésitez pas à me dire également si vous l'avez récupéré, si vous l'avez maxé. Et aussi à quoi elle vous sert, à quoi elle l'excelle. Parce que là pour l'instant, j'ai pas regardé plus que ça. J'ai pas regardé plus que ça, à quoi elle pouvait. Être bien. Ensuite, il faudra que j'aille chercher son arme également avec l'event, ce qui va être plus facile vu que je l'ai chopé. Et là, je l'ai amélioré, donc ça va nous aider. Là, 50 trucs d'un coup. Ouais. On a encore 50 invoques. Et puis, ça monte vite. Hop. Là, ça redonne des petit ticket, ouais, hop, en montant les paliers. Et voilà, très bien. Ici, forcément, on est déjà à ce niveau-là. Il y a son arme qui est là. Donc, ouais, fou. Voilà, son arme, je vais aller la récupérer assez facilement. Maintenant que je l'ai chopé. Il faut l'équiper, il faut améliorer de l'équipement. Enfin, il faut améliorer plein de trucs. Bref. On va quand même la monter minimum, justement, pour remplir tout ça. Et puis voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce que vous pensez du perso et à quoi il vous sert. Et puis, je vous dis à ciao, à une prochaine vidéo, tout simplement. Ciao, ciao tout le monde!